L'arrivée du ministre russe des Affaires étrangères au Mali met fin à toutes les rumeurs véhiculées par les médias mensonges de la France-Afrique sur un éventuel désaccord entre Bamako et Moscou. Sergueï Lavrov, accueilli au pied de l'avion par son homologue Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, tout un symbole diplomatique. Une mise en garde à tous les pays qui manifestent des velléités d'attaquer militairement le Mali et qui servent de base arrière pour déstabiliser le gouvernement du président Assimi Goïta. Cette visite diplomatique marque un tournant dans les relations entre les deux États. Les autorités maliennes doivent aller plus loin dans la rupture du pacte colonial avec la France néocolonialiste, qui considère les pays africains comme des territoires d'outre-mer. Vive le Mali libre et vive l'Afrique.